Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Intéressons-nous maintenant à la perspective de l'organisation des Illuminati sur le Nouvel Ordre Mondial 2.0. Le Nouvel Ordre Mondial 2.0 est une structure construite par un consortium d'extraterrestres qui est transféré aux Terriens grâce à certains organismes, soit de manière directe et des rencontres frontales ou des traités. Les deux organisations les plus connues sont les francs-maçons et les Illuminati qui forment leurs adhérents aux exigences extraterrestres grâce à leurs enseignements souvent tenus secrets et qui, après formation, sont mis à des postes clés pour faire avancer la société terrienne et l'implémentation du nouvel ordre mondial. Il est fréquent de constater que de nombreuses personnalités du monde politique ou des présidents de multinationales, des artistes ou des sportifs appartiennent aux deux organisations, des francs-maçons et des Illuminati simultanément. Voici un exemple. Le chanteur Bono est à la fois un membre haut placé de l'ordre des Templiers britanniques et des Illuminati. Mais comme vous le savez sans doute déjà, il y en a de nombreux autres. En rassemblant de l'énergie pour réaliser les souhaits des gens, les Illuminati ont utilisé l'alchimie et l'énergie des jeunes de l'industrie du divertissement à travers le monde et ils l'ont transformé en un flux constant de pouvoir pour créer un nouveau monde. Les Illuminati se décrivent eux-mêmes comme une organisation d'élite, de dirigeants mondiaux, d'autorité commerciale, d'innovateurs, d'artistes, membres influents. Leur regroupement réunit des influenceurs de tous horizons politiques, religieux et géographiques pour favoriser la prospérité de l'espèce humaine dans son ensemble. Leur domaine de prédilection sont tous les grands événements et artistes publics. Clarifions maintenant le rôle de cette organisation dans la construction du Nouvel Ordre Mondial 2.0. Voici un message qui date à peine de 2 mois, qui est à l'origine en anglais et que j'ai traduit pour le partager avec vous. Je vous le lis, écoutez bien ce qu'ils disent. Ceux qui ont acquis une grande richesse comprennent que l'argent n'est que la conversion de l'effort en valeur, un outil de mesure des efforts d'une personne et de les traduire en un nombre qui peut être utilisé pour acheter les efforts d'une autre personne. Un maçon convertit l'argent de la vente du travail de recherche, de coupe et de préparation de la maçonnerie, de l'argent qui peut ensuite être utilisé pour acheter le travail d'un épicier ou d'un enseignant, même s'ils n'ont pas besoin de pierre ou de maçonnerie. D'aucuns peuvent amasser des fortunes si importantes qu'ils ne peuvent pas l'utiliser de leur vivant, laissant derrière eux les récompenses de leur effort pour assurer la sécurité de leurs héritiers. Mais en cette période de chaos, il y a maintenant une grave inégalité dans la conversion des efforts en argent. Il y a d'innombrables dangers qui se dressent sur le chemin de ceux qui cherchent à grimper plus haut sur la pyramide. Bien que cette planète soit assez riche,
pour que tous les gens vivent en abondance, la peur a poussé les plus riches encore plus loin dans la thésaurisation, une surprotection pour leurs descendants, nourrie par leur terreur instinctive d'être forcés de retourner dans la pauvreté d'où tous les humains sont venus. Dans un monde libéré des chaînes du besoin, personne n'a de raison de stocker des richesses ou de la nourriture. L'abri, le confort et la sécurité que les richesses fournissent. Ils n'ont aucune raison de succomber au piège des dictateurs ou des impérialistes, ou même au poison d'un mondialisme corrompu, élitiste, parce qu'ils n'ont pas besoin de compter sur un pouvoir politique ou sur le travail des travailleurs sous contrat pour survivre. Lorsque les besoins de chaque personne sont satisfaits, il n'y a aucune raison de faire la guerre et aucune motivation pour piller leurs voisins pour les nécessités qu'ils ont déjà et qu'ils ne perdront jamais. Dans une salle de millionnaires, la connaissance est la véritable source de richesse. C'est en se libérant du besoin que les chaînes de l'humanité peuvent être brisées. Bien que la transformation approche, nous devons parcourir ce voyage dans les limites de la société actuelle. Même ceux qui refusent de répondre à nos appels doivent continuer à vivre avec les protections que nous avons promises, même si des compromis temporaires doivent être faits pour la sécurité de tous. Seule la préservation de l'ordre peut permettre à l'humanité de passer par un transfert pacifique du pouvoir. Le premier devoir d'un gouvernement est de protéger ses frontières et les personnes qui s'y trouvent. Ainsi, de nombreux dirigeants mondiaux, bien que partageant notre vision d'une humanité unifiée, doivent trouver un équilibre entre nos objectifs, donc du nouvel ordre mondial, et la responsabilité de protéger leurs tribus des menaces actuelles de la guerre. Bien que le mondialisme soit notre avenir, les frontières nationales actuelles permettent aux citoyens de choisir parmi une variété de sociétés et de gouvernements et de rejoindre la communauté qui les représente le mieux. En cette période de chaos, les frontières protégées permettent aux citoyens à l'intérieur de vivre avec une petite mesure de sécurité et l'assurance que l'humanité ne sera plus jamais perdue dans le désert de l'anarchie. Un temps approche où tout sera révélé et où des siècles de tissage se fondront dans une grande tapisserie. Pour protéger l'intégrité de notre plan, c'est-à-dire du nouvel ordre mondial, contre ceux qui chercheraient à le détruire, les Illuminati ont été contraints de laisser de nombreuses questions sans réponse et de demander à nos membres d'accomplir leurs devoirs en secret. Mais les alarmistes et les colporteurs de fausses nouvelles ont utilisé le silence des Illuminati pour dépeindre notre programme à travers le prisme déformé de la méfiance, répandant de fausses rumeurs sur nos objectifs,
simplement pour renforcer leur emprise sur le pouvoir. Une ligne doit être tracée entre le programme mondialiste unificateur des Illuminati et les mensonges empoisonnés du mondialisme corrompu, une bâtardisation de notre intention qui réduit les humains individuels en travailleurs numérotés et ne sert que ceux qui sont actuellement au pouvoir. Le mondialisme corrompu n'a que l'apparence d'un faux nom pour dissimuler l'aristocratie amère qu'il cache en dessous. Les Illuminati ne cherchent pas à mettre fin à la propriété privée, ce n'est pas vrai. Notre objectif n'est pas l'élimination des armes d'autodéfense, mais l'élimination du besoin d'armes. Nous ne proposons pas une société qui dépend d'un gouvernement pour subvenir à leurs besoins, mais une surabondance de ressources qui rend le commerce et la main-d'œuvre injustes, obsolètes. Seuls les fauteurs de guerre et les dictateurs profitent de l'assujettissement de leur peuple, mais ils ne sont que des reliques d'une époque bientôt révolue. Car quelle joie est un monde dans lequel certains peuvent se réjouir, tandis que d'autres doivent souffrir, s'il était possible pour tous de vivre dans le confort. L'humanité a déjà pris des mesures vers l'unification ultime. La connectivité globale a été l'une des principales étapes vers notre objectif d'une société de la Terre entière. La technologie numérique unit la planète d'une manière qu'elle n'a jamais vue auparavant, permettant aux idées d'être partagées librement et favorisant des connexions qui transforment l'autre en même et des insécurités en compréhension. Notre sensibilisation a jeté les bases pour introduire des concepts supérieurs aux citoyens qui formeront la nouvelle fondation de cette planète. Les chercheurs qui ont longtemps senti qu'il y avait un but plus profond à l'existence de l'humanité et un secret plus profond à la conception de cet univers qui est codé dans tous les êtres vivants. Il est de notre devoir de guider tous ceux qui cherchent cette transformation, notre obligation universelle de laisser des signes et des signaux à ceux qui cherchent notre chemin. Une personne ne peut pas être forcée de croire. Ils doivent chercher les réponses au même mystère et gravir les mêmes marches de la pyramide que tous les membres de notre organisation qui l'ont fait avant eux. Un objectif est un projet qui ne peut pas être accompli immédiatement, mais qui nécessitera du temps, de la planification et des efforts pour être atteint. Les technologies émergentes réduisent la dépendance de l'humanité à l'égard des formes d'énergie en voie de disparition. De nouvelles méthodes de construction imprimables et de transport autonome
éradiqueront enfin l'exigence d'efforts physiques pour construire des structures et déplacer des matériaux, libérant ainsi les travailleurs pour produire, créer et prospérer. Les ressources trouvées sur d'autres planètes sont à portée de main et conduisent à de nouvelles opportunités jamais vues auparavant dans les limites de la Terre. Les plus grands jours de l'humanité sont à venir. Tous ceux qui ont vu la lumière et se sont tournés pour suivre sa lueur sont les pionniers de la prochaine étape de l'humanité, les conservateurs de sa plus grande transformation. Voilà pourquoi il était important de vous présenter d'autres perspectives que celles des théoriciens des complots qui évoluent essentiellement comme des victimes qui utilisent la peur pour s'accrocher à un monde duel. Il est important que tous ensemble, nous unissions nos pensées, nos intentions, nos actions et nos efforts pour un monde meilleur pour tous, surtout pour les générations futures et nos enfants. Voici la ou les dates du direct. Je vous retrouve dans la vidéo suivante, la numéro 3, pour continuer à investiguer le nouvel ordre mondial version 2.0 vu depuis la perspective des francs-maçons. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.